Quand j'étais gamine, je me souviens très bien d'un bouquin qui était sur l'autre côté, qui était sur le passage du Nord-Ouest au-dessus du Canada. Et j'avais découvert cette façon de naviguer dans les glaces, complètement différente, ces héros. C'est vraiment de voir tous ces gens qui ont découvert cette immense partie du monde. Et donc, pour moi qui suis romancier, c'est évidemment des personnages. C'est côté mythique, il y a un côté aventure extrême, il y a un côté dernier degré de la planète, qui est forcément fascinant. Si la planète était nulle, pas belle, bon, si elle n'avait pas d'intérêt, on ne se battrait pas pour la préserver. Mais comme elle est merveilleuse, notre boulot à nous, c'est d'émerveiller et donc de raconter pour qu'on dise aux gens, les plus nombreux possibles, qu'il faut la préserver. C'est ça l'idée. Donc l'alerte commence par l'émerveillement. Dans le musée arctique et antarctique de Saint-Pétersbourg, qui existe depuis 1936. Et il y a un petit peu toute l'histoire, surtout arctique, l'Antarctique c'est un petit peu moins bien, mais c'est toute l'histoire de l'Arctique russe, du XIVe siècle jusqu'à nos jours. Belle carte de tout l'Arctique avec la banquise, bon, ça date de 50 ans, les choses ont un petit peu changé. On voit toujours finalement l'Arctique en tout petit avec les projections dont on a l'habitude nous. En fait, ça donne l'impression que ben voilà, c'est un petit truc là-haut, que c'est pas très grand. Et puis évidemment, sur des cartes comme ça, avec une projection différente, on se rend compte de l'immensité. Deuxième chose, on se rend compte que quand même ce passage du Nord-Est, c'est quasiment, je sais pas, à vue de nez, 60% ou 70% de la circonférence. Donc c'est vraiment l'endroit majeur. Et puis quand en plus on commence à poser là-dessus pas tellement les villes parce qu'aujourd'hui il n'y a plus grand chose hein, donc à part Mourmansk où on va aller, mais il n'y a plus de grandes villes, mais en tout cas les exploitations pétrolières, gazières, minières, donc les richesses de cet endroit-là, bah, on commence à se rendre compte de l'enjeu et de l'importance quoi. Forcément on fera un truc sur les bases dérivantes. Ouais. Donc mais on ça, verra déjà, on l'a avec Papanine. Oui. Parce que Papanine, c'est la double dimension. Mais si tu veux, qu'il y en a que jusqu'à aujourd'hui. Oui, oui, mais en lançant le premier, on peut parler des bases dérivantes d'aujourd'hui, avec tout ce qui ressort. Je fais tout. D'accord. Tu vois, l'élément scientifique. Parce que ce qui m'intéresse, c'est à la fois l'élément scientifique et l'élément géostratégique. Mmh. Et les deux étant complètement liés. C'est éducatif. Et puis en même temps, il y a une sorte de foi. Parce qu'on est dans un bâtiment qui est une église et on a l'impression qu'il y a la croyance dans la découverte avec un grand D. C'est une sorte à la fois de bric-à-brac avec... mais de bric-à-brac de héros, quoi. De héros de la curiosité. Donc on voit comment ça avance par une suite d'obstination et de toujours de l'obstination. Il y a en même temps du hasard, un courage invraisemblable. Et puis il y a les cartes, bien sûr, et comment on conquiert un espace sans doute le plus difficile, le plus cruel qui soit. Donc voilà le premier brise-glace. Il y a un Mac. Oui, il a une certaine gueule. Hein. Alors, il a une hélice avant. Ça ne doit pas être. C'est bizarre pour la glace. Ouais. À quoi ça lui servait? Enfin, si, on peut comprendre que ça lui servait à manœuvrer, mais peut-être pour pouvoir. Il n'était pas cassé, il n'était pas dans le mètre de glace. Hein. Ouais. Magnifique. Le Krasine, le plus célèbre des brise-glaces, au moins diesel. Maintenant, on est dans l'atomique, mais diesel qui était à vapeur. Construit en 1917 et qui a fini sa vie en 91, donc il a vécu toute la période de l'Union soviétique, ouvrant la route à énormément de convois sur la route maritime du Nord, mais surtout connu pour son sauvetage de l'équipage de Nobilé en 1928. C'est lui qui est allé récupérer les 13 membres qui étaient sur la glace, perdus au large du Spitzberg, après que la
le dirigeable de Nobile, l'Italia, a explosé, soit écrasé sur la glace. Donc là, on est dans la machine du Krasin, qui est sans doute le plus gros moteur encore à vapeur qui existe au monde. Il marcherait presque si... Bon, ça coûte un peu cher de maintenir et de graisser tous les tuyaux, mais il serait presque possible de le faire marcher. Au début, c'était au charbon, maintenant, c'est au fioul. Comment ? Isabelle Autissier ? J'ai pas encore fini mon texte. Ça arrive. Qu'est-ce que tu dis ? Je t'entends. Bien reçu, commandant. Cette espèce de barge flottante qui ressemble pas à grand-chose, c'est une plateforme atomique, une centrale pour alimenter ce qu'on veut en Arctique. Donc s'il faut faire un forage profond ou s'il faut alimenter une ville, eh ben, ils amènent cette plateforme près de la ville en question. Il n'y a plus qu'à brancher et ça fournit du courant. Centrale nucléaire portative. Voilà, spécialement dessinée pour l'Arctique. Est-ce que c'est toi, Eric, qui va en parler quand tu parleras du problème géopolitique? Alors moi, je fais l'introduction sur les routes maritimes. Qu'est-ce qu'une route maritime à travers les âges, avec les vents, les courants, comment ça marche? Ensuite, dans l'exploration, je fais Nordenskjöld, à la fois Papanin et Otto Schmidt. Voilà. Ouais, tu vois, et ils sont très liés, puisqu'il y a le vol, il y a la dérive, etc. Après, je fais géopolitique. Questions juridiques, conseil arctique, toutes ces dimensions, les bruits de bottes à glace, les bruits de crampons et tout ce truc dans tout cela. Je fais évidemment toute la dimension économique, à la fois la question du shipping, la question des assurances et évidemment les matières premières. Et ensuite, on va voir Rocard et on arrête à 800 pages. Parce que avec tout ce qu'on a, c'est absolument fou. Mourmansk, c'est la plus grande ville au nord du cercle polaire. On est à 300 km au nord du cercle polaire, 150 000 habitants, et c'est surtout le plus grand port qui donne sur l'Arctique. C'est d'autant plus important que c'est la base de tous les brise-glaces qui ouvrent la route maritime du nord. C'est un côté... Moi, j'ai toujours adoré les ports, donc c'est un vrai côté port... qui marche, quoi. Tu te dis qu'il doit y avoir de l'argent ici, quoi. C'est un grand port, c'est un endroit où ça brasse. Tu te demandes où ça passe, quoi. Parce que aussi bien les bâtiments publics que ça, j'imagine que c'est des habitations privées, c'est quand même... C'est ça qui fait glauque, en fait, je trouve. C'est surtout ça. De toute façon, la nouvelle route maritime, ça va être ça. Ça va être un truc où encore une fois, on est les rois de la piste, et les hommes sont plus forts que tout le monde, et on va passer là parce que ça nous fait gagner de l'argent, en fait. Hein. Parce que la seule préoccupation, c'est ça, quand même. Hein. C'est d'économiser des jours de mer, parce que les jours de mer sur les cargos, ça coûte cher. Et de pouvoir livrer plus vite, et de faire tourner la mondialisation à plein régime. Et donc, on va passer par là, ce qui n'est pas une route de bon sens, du point de vue de la glace, du climat, de la nuit, de tout ce qu'on veut, quoi. Mais on s'en fout, on va y aller quand même. Il y avait 5 cargos qui ont traversé il y a 4 ans et on en est à une 70 l'année passée. Et ça croît de manière relativement exponentielle. Pour l'instant, les denrées principales qui transitent par la route maritime du Nord, donc cette route qui passe au nord de la Sibérie, c'est essentiellement du gaz liquéfié ou du charbon. C'est pas des containers parce qu'il n'y a pas de hub pour dispatcher. Donc c'est une seule denrée qui est généralement du gaz liquéfié qui transite entre Amsterdam et les ports de Shanghai. Il y a 7000 km de moins que si on devait passer par Suez ou par Panama. Ce bateau, c'est le premier brise-glace atomique soviétique à l'époque, construit en 59. Voilà, c'est lui qui a une grande histoire. Il a atteint le pôle Nord, notamment. Il a ouvert des tas de routes. Donc, premier bateau atomique. Il faudra presque 20 ans pour qu'il y en ait un deuxième. Et maintenant, depuis, il y en a une dizaine qui ont été construits. It will be necessary near 2 years in order to finish. Sinon, c'est sans doute le seul brise-glace
dans lequel on a changé la partie de la centrale atomique. Et elle était pas, elle marchait pas au début, et donc pour s'en débarrasser, ils ont trouvé la coque au fond, ils ont amené le bateau au large de la Nouvelle-Zemble, ils ont fait 4 explosions exactement simultanées pour décrocher le réacteur qui a filé au fond à travers la coque. Et il paraît qu'ils vont régulièrement, tous les je ne sais pas combien de temps, regarder si ça se passe bien au fond. C'est quand même quelque chose d'assez hallucinant. Oui. It will pump the waters from the boat, ballast. Yes. Yeah, okay. It will pump and here. Okay. Le capitaine nous a bien dit que la route maritime, son développement a été très très lent ces dernières années, mais là ça s'accélère de manière exponentielle, et ils étaient un peu sceptiques sur l'avenir de l'atome et de ce type d'engin. Ça a complètement changé dans les 5 dernières années. Ils sont en train d'en construire 3 nouveaux là, pour ouvrir la route. Notamment le grand projet, c'est le port de Sabetta en péninsule de Yamal pour extraire le gaz et le pétrole de ce coin-là, et ouvrir la route qui va de Sabetta jusqu'à Shanghai. Ils sont en train de construire 12 cargos de 120 à 140 000 tonnes. Et pour ouvrir leur route, il leur faudra des brise-glaces atomiques. Ce matin, nous sommes passés de Mourmansk à Kirkenes. Kirkenes est une charmante petite bourgade du nord de la Norvège. Pas très grande, 5000 habitants, mais qui a un énorme avantage, c'est qu'elle se trouve à l'ouest, la sortie ouest de la route maritime du Nord. Et beaucoup pensent déjà à en faire une sorte de hub. Un hub, c'est l'endroit où on risque de décharger la marchandise et la cheminer et en prendre d'autres. Donc ça serait le hub de la route maritime du Nord. Il faudrait pour ça concevoir une voie ferrée qui est prévue, qui devrait traverser la Finlande pour atteindre la mer Baltique. Donc il y a énormément de gens qui travaillent sur la possibilité que Kirkenes soit un petit peu la sortie des marchandises, sans doute pas du pétrole et du gaz liquéfié, mais d'autres petites marchandises qui transitent par la route maritime du Nord. The Norwegian meant that the border should go like this. The Russian meant the border should go like this. You can say, I don't know if it's very normal that we should have it like this, or it should be. Il y a quand même deux sujets. Il y a un sujet qui est l'obsession, parce que c'est le plus rentable, et des capitaux immenses sont mobilisés. On n'en sait pas le montant, mais c'est sûrement plusieurs milliards de dollars. C'est la mise en œuvre, la mise en exploitation de cette mine d'huile et de gaz, de pétrole et de gaz, qui est la péninsule de Yamal. Et cette péninsule, donc, qui fait 500 ou 600 km de haut vers le nord et 200 à 300 km de large, est une réserve à peu près équivalente à ce qu'on trouve dans les Émirats du Golfe Persique. Voire plus. Donc c'est un trésor inouï. Et alors, toutes les compagnies, évidemment, se sont battues pour avoir des parts, dont la compagnie française Total, et on construit à partir de rien. De rien, on construit un port, un aéroport, des quais, des hôpitaux, tout ce qu'on peut imaginer. Une ville pour permettre à tous ces gens de vivre et d'exploiter. Donc, la route du Nord-Est, sa première vraie matérialisation, c'est ça. Plus que de faire passer, on plus en parlait aussi, des containers. Faire ça passer sera des containers. Peut-être un jour, se faire passer mais des containers. C'est vrai que l'intérêt de faire passer les containers quand tu n'as pas de port pour faire des échanges en cours de route est peut-être moins immédiat. Alors, voilà. Ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas et ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'intérêt, mais en fait, on se rend compte en discutant que ce qui excite tout le monde aujourd'hui, c'est ces ressources minières et pétrolières essentiellement russes. Et comment on va les chercher, comment on les achemine, comment on les redistribue, essentiellement en Asie et un peu aussi en Europe. Voilà, donc c'est assez amusant parce que quand on discute avec les gens du business, de cette activité-là, on voit qu'au fond,
c'est différent. C'est-à-dire, il y a la route de l'énergie, et puis il y a la route de tout le reste. Et la route de l'énergie, il nous disait, notre camarade Odoun, là, il nous disait cette remarque incroyable, c'est que la Russie, avec l'aide de nous tous, va filer toute son énergie acquise à la Chine, qui, grâce à cette énergie relativement bon marché, va pouvoir inonder les marchés russes, mais aussi tous les nôtres, de biens, c'est-à-dire qu'on leur a donné les armes pour nous écraser. On leur donne toutes les matières premières, en fait, puisqu'on leur donne aussi quand même une partie, enfin, on leur vend, mais donc, l'énergie, les minerais, une partie du savoir-faire. Et eux, en fait, parce qu'aujourd'hui, ils ont le seul argument qui vaille encore, qui est la main-d'œuvre pas chère. Avec tout ça, ils fabriquent et ils nous le renvoient. Kirkenes trompe son monde. Un joli fjord bien large, protégé par des collines enneigées, pas plus de 5000 habitants, dispersés dans des maisons plutôt modestes mais qui respirent le confort. Une église à toit rouge pour se protéger des mauvais esprits et réserver sa place dans l'au-delà. Et pour gagner sa vie d'aujourd'hui, un cube énorme bleu et blanc qui s'avère le terminal d'une mine de fer gérée à la norvégienne, c'est-à-dire à l'écologiste, pas de fumée, pas de bruit. Sur les quais, des montagnes de casiers et quelques bateaux russes indiquent que, dans les alentours, on pêche avec grand profit le king crab. Bonne nouvelle pour les commerçants du petit centre-ville. D'ailleurs, une boutique Interflora rappelle que rien ne vaut un bouquet de fleurs, même au Grand Nord, pour saluer les bonheurs ou les deuils de l'existence. Cette petite ville semble incarner la sérénité nordique, la communion avec la nature glacée, en même temps que la prospérité tranquille. Qui pourrait croire que sur ce paradis, le sort et la folie des hommes se soient si sauvagement acharnés durant la dernière guerre mondiale, 39-45. Et aujourd'hui, qui pourrait imaginer que dans peu d'années, ce havre de paix retrouvé pourrait accueillir des armées de bulldozers et recevoir des cataractes de dollars pour devenir l'un des ports principaux de la nouvelle voie maritime. Comme elle est sur place, il faut écrire sur place. Parce que c'est sur place qu'on trouve un peu le ton, le rythme et on trouve des repères. Après, on peut accrocher des souvenirs, mais pour accrocher des souvenirs, il faut une structure, il faut un arbre. Tromsø, mais Tromsø n'est pas une ville très importante sur le développement de la route maritime du Nord. C'est pas en revanche là que se trouve l'université du Nord. Nous, on est un peu ici pour voir surtout les intervenants dans l'huile et le gaz qui sont basés ici depuis seulement 2 ans, qui sont déjà une centaine d'ingénieurs, et qu'on va les retrouver pour qu'ils nous parlent un petit peu des perspective du développement des ressources naturelles, pétrole et gaz, sur le Grand Nord. Ce rendez-vous chez Hackers Solutions, qui était quand même assez extraordinaire, sur tout d'un coup, moi j'ai quand même pris conscience de ce que ça voulait dire les champs pétrolifères. Donc l'exploitation ancienne, qui est plutôt un peu dans le sud et le centre de la Norvège, et puis tout ce qui est en train de se passer en mer de Barents, avec ces ressources qu'ils découvrent tous les ans, hein. Ils en ont encore découvert cette année, ils pensent que voilà, ils en ont encore sous le pied. Mais quand même, moi, ce qui m'a aussi halluciné, c'est la carte qu'il nous a montrée avec toutes les compagnies qui allaient intervenir dans ce pétrole de la mer de Barents, ce pétrole et gaz, hein, puisque en plus c'est des problèmes différents selon que c'est du pétrole ou du gaz. Il y avait tout le monde. Il y a aussi bien les Polonais, les Brésiliens, les Français, évidemment les Nordiques, les Anglais, enfin les Américains, il y a tout le monde, quoi. Donc c'est quand même le côté Eldorado, il est là, quoi. Et effectivement, ça continue de l'autre côté de la frontière. Apparemment, c'est quand même ce qu'on a senti aussi chez eux et qu'il va falloir qu'on expertise peut-être un peu plus, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont un peu peur du côté russe. Justement, ce côté... on fait un peu n'importe quoi. On voit bien que Stockmann, les grandes compagnies se sont retirées parce qu'elles ont senti que ça risquait de mal se terminer.
Donc là, il y a un enjeu qui est fort, qui est très important en termes de ressources, etc. Mais en termes d'exploitation, on sent que c'est pas simple, c'est tendu, quoi. Et alors, il y a un élément qu'on maîtrisait mal jusqu'à présent, et on va creuser, c'est la différence d'exploitation du pétrole et du gaz. Parce que le pétrole, on pompe et on transporte. Alors que le gaz, il faut traiter, c'est-à-dire au minimum liquéfier, et puis donc ça implique des installations. Et deuxième élément aussi très intéressant, c'est que la plupart des installations maintenant, on ne les verra pas parce qu'elles seront sous l'eau. Donc ça veut dire évidemment moins d'impact pour les vagues, mais aussi un contrôle extraordinairement compliqué, puisque a priori on ne les voit pas. Et autre point, mais il y en a plein, autre point, ils disent « Ah, il y a les tempêtes, ah, il y a le givre, mais il y a aussi le brouillard. » Il y a des endroits, pendant 2 mois, on ne voit rien, mais rien du tout. Donc comment est-ce qu'on peut faire dans ce... Donc c'est très passionnant parce que les gens qu'on a vus chez Aker, c'est des gens qui sont tout à fait au courant de ces contraintes, qui pensent qu'on va trouver, mais permettez-nous de rassembler les compétences pour trouver et donner le temps pour avoir des solutions. Ça va changer quelque chose, perceptible pour l'heure, pas vraiment. En revanche, c'est perceptible pour moi parce que je suis très impliqué dans la vie locale, dans les associations et notamment l'AECO, l'association pour les opérateurs de croisière expédition dans le Nord. Il y a déjà des textes qui sont contraignants, notamment des couloirs où le fioul lourd sont interdits, etc. Donc c'est dans l'anticipation. Donc de ce point de vue-là, on le voit déjà changer dans les réunions. Et puis le trafic est quand même de plus en plus intense. Et on parle même, en fait, ici, on ne parle plus vraiment de la route du Nord-Ouest ou du Nord-Est, c'est vraiment la route du pôle, en fait. Hein. C'est-à-dire que le scénario le plus probable, c'est que prochainement, les bateaux passent Bering et passent par le pôle géographique directement. Et comme ça, ils sont loin des plateaux continentaux. Et Longyearbyen, comme station de plutôt search, rescue et barrage éventuellement pour une marée noire. Puis après, les bateaux arrivant en Europe desservent les ports soit européens, soit nord-américains. Hein. Donc ça c'est pour les grandes routes. Et après, il y a tout il y a toute l'industrie qui ont besoin de se ravitailler, d'amener du matériel. Donc ça fait en plus beaucoup de trafic, quoi. Le passage du Nord-Est et le passage du Nord-Ouest, pour les voiliers, ça a été longtemps un truc quasiment infaisable. Quasiment. Or, il y a de plus en plus de bateaux qu'il faut, et qu'il faut en une saison, parce que ça aussi, c'était la question. Souvent, les gens étaient obligés de s'arrêter au milieu, que ce soit le Nord-Est ou le Nord-Ouest. Et maintenant, avec les conditions de glace, si on a aussi un bon moteur pour céder, on arrive à passer dans la saison. Et puis, c'est l'exotisme froid qui arrive. C'est-à-dire qu'avec l'ouverture des routes, on va voir arriver les touristes. Pour l'instant, on voit bien Nouvelle-Zambe, terre de François-Joseph, il y a des problèmes d'autorisation, mais voilà, ce qu'on nous disait, c'est que c'est en train de s'ouvrir. Et moi, je suis persuadée que dans les 10 ans qui viennent, on aura des cross-ships qui vont se balader un peu partout sur ces routes-là. Alors bon, ben voilà, c'est comme ça, mais ça fait partie aussi du truc, quoi. Quand on voit qu'en péninsule antarctique, il y a 30-40 000 personnes par an qui débarquent là-bas à partir de cross-ships, on imagine qu'en plus, sur des routes plus proche de l'Europe et de l'Amérique du Nord, donc plus proche des touristes, d'aller dans les glaces facilement, ça va être aussi une ouverture énorme. Avec le côté aussi risque, avec le côté en Antarctique, il y a eu plusieurs bateaux qui ont coulé, bon, il n'y a jamais eu de drame vraiment, mais ça aussi c'est quand même un des soucis possibles. Moi, je trouve, première chose, plein d'idées reçues qui sont démantelées, plein de choses qu'on n'imaginait pas et dont on comprend qu'elles sont à l'œuvre et qu'elles sont en train de se faire et que ça va être des choses gigantesques. Y a un autre élément, moi, qui m'a frappé, c'est que je ne savais pas qu'il y avait autant de richesses, je ne savais pas qu'il y avait autant de potentiel, ce qui veut dire qu'on repousse un certain nombre de limites qui nous avaient rendus intelligents.
c'est-à-dire le peak oil, le fameux pic de pétrole en disant il n'y aura plus de pétrole, ce n'est pas vrai. Tout dépendra du prix. Donc comment on alloue le prix par rapport aux autres sources d'énergie. Donc encore une fois, le voyage permet de tuer les vérités qu'on avait en partant. En partant, il faut avoir un intérêt, une passion, la curiosité, mais il faut vraiment, comme au Baltrap, tuer les unes après les autres les vérités qu'on avait au départ.